Alors, donc après ce film qui a pu être dérangeant, on a deux personnes qui sont sorties. En effet, moi, la première fois que je l'avais vu, ça m'avait un peu bouleversée. Et puis me mettre aussi à la place du patient lors des crises, parce que là, c'est vraiment la crise délirante qu'on voit avec la montée en pression. Enfin, moi, je trouve au niveau des sensations que le patient peut avoir, au niveau d'interprétation et ce qu'il peut vivre, en fait tout apparemment donne sens, et plus ça va et plus on voit le Ed qui se cherche dans tout le film. Donc, On va faire passer le micro et puis répondre à vos questions. Moi je voulais commencer par remercier Delphine de nous avoir permis d'être au cinéma Bonne Garde, et puis Jean-Pierre nous avoir mis en lien avec Franck pour cette projection. Après, l'idée des semaines de santé mentale, c'est voilà, il y a tout un tas d'objectifs. Pour moi, le premier sur les interventions qu'on a pu faire là ces derniers jours, c'est j'allais dire déstigmatisation, mais il y a un patient qui m'a dit la semaine dernière que ça n'existait pas. Donc on va dire, je ne sais pas, changer le regard sur un. Sur on n'entend pas. Ah bon, pas branché. On va dire changer le regard sur la maladie. Et pour changer le regard, eh ben, il y a peut-être tout un tas de choses qui sont possibles. Et ce film en fait partie. Il y a des conférences, hein, il y a des films, des documentaires. Ça peut être l'humour, ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être des concerts, ça peut être tout un tas de choses. On ne sait pas très bien comment faire. En tout cas, le rôle de soignant est en pleine évolution actuellement. Et on parlait de traiter la maladie et maintenant on essaye d'accompagner les patients dans leur réhabilitation, dans leur réintégration dans la société. Et on espère que pouvoir parler un peu du mieux-être, du bien-être. Voilà. Ce film, comme disait Virginie, parle de la crise, mais la crise, c'est un moment dans la maladie. Comme en ouverture de film du documentaire hier soir, là, il y avait cette phrase, hein, il n'y a pas de folie, hein, il y a des moments de folie. Et là, je pense que pendant 1h45, on était dans un moment de folie. Mais il y a un après, et on est là pour accompagner les gens avant, pendant, après, et les aider à vivre au mieux dans la cité. Voilà, je vais passer le micro s'il y a des... Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, en fait, s'il était possible qu'un patient puisse avoir autant de personnalités différentes en schizophrénie. Enfin, comment ça, et comment c'est, enfin, si ça se manifeste aussi de cette manière-là, en fait, à chaque fois. Alors, là, c'est, je pense, la vision de Franck, de la maladie, et puis, donc, c'est en ça que je voulais le remercier, parce que toute... représentation est bonne à prendre. On vient avec tout un tas de choses, tout un tas d'histoires, et on a des choses à dire sur un tas de sujets. Des patients qui ont autant de choses, on ne sait pas tous les jours, non. Après, je pense qu'il y a des thèmes qui sont communs avec les perceptions, les interprétations, tout ce qu'il y a au niveau du corps. Et puis l'angoisse que nous on ressent en percevant ce film, et qui est très fondamental dont nous parlent les patients aussi, hein, leur angoisse personnelle et l'isolement. On est un peu tout seul quand on est face à toutes ces choses-là. Donc la question, c'est nous, comment on peut faire pour accompagner les gens dans ces périodes-là, et comment on peut faire pour être en lien avec eux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moyen. En effet, enfin, les croyances, c'est souvent sur la schizophrénie, et c'est ce que les médias véhiculent, hélas. C'est tout ce côté double personnalité. Il y a un film qui vient de sortir, là, Split, c'est pareil, en fait. Et moi, c'est pas ce que je vois dans la maladie. Enfin, sur la schizophrénie, en effet, en unité hospitalière, on voit la crise. Donc avec ces moments délirants où le patient peut interpréter, là, il y a un moment, au début, Ed, enfin, il voit que les choses sont bizarres autour d'eux, il ne reconnaît pas les gens autour de lui, et là, on peut voir comment ça peut être angoissant.
Après, nous, je trouve que les patients, dans le quotidien et dans cette maladie chronique, c'est pas ça qui vient en première ligne. Il y a ces phases aiguës, mais il y a aussi tout ce qui est avec la maladie. Donc le fait de ne pas sortir de chez soi, d'avoir aucune envie, d'être... les patients nous disent qu'on ne peut plus regarder un film en entier, plus lire un livre. Même acheter son pain, c'est compliqué. Et du coup, moi, c'est plus ce que je perçois sur la maladie. Là, c'était vraiment, en effet, pour moi, 1h47 de crise qui m'ont mise... je me représente un peu ce que peuvent vivre nos patients au quotidien. Et je me dis, c'est une sale maladie. Et donc, si nous, on peut changer le regard... Enfin, en effet, c'est les soignants, les patients et les associations de famille qui peuvent changer le regard parce que c'est une maladie qui est très stigmatisée par les médias. On entend parler de schizophrénie dès qu'il y a un fait de violence lié à un patient schizophrène, donc c'est quand même très rare. Et faut savoir quand même que des faits de violence, il y en a tous les jours, et ça fait jamais la une des médias. Et c'est pas lié à des patients atteints de schizophrénie. Donc voilà. Donc je pense que le rôle de la semaine de la santé mentale, c'est qu'on change enfin le regard sur cette maladie, et sur tous les troubles psychiques en général, et que ça peut toucher tout le monde. On n'est pas vacciné contre la maladie mentale. Bonjour. Donc, ce qui est un peu particulier, c'est que je suis venue pour le film, pas spécialement dans le cadre des journées de la santé mentale. En fait, j'ai beaucoup apprécié le film parce que je ne suis pas venue pour ça, même si j'ai un cousin schizophrène, en fait. Et en fait, moi-même, une personne dite tout à fait normale, j'ai des matins qui ressemblent au lendemain de cuite de l'auteur, en fait, du personnage. En fait, parce que c'est une question de mémoire, d'identité et de représentation. Et ça concerne tout le monde. Et en fait, la question que j'avais à Franck, c'est que, en fait, il y a des traditions. Ici, on part du principe qu'il y a une réalité. Et que quand on n'a pas de capacité d'analyse, on a un déficit dans la capacité d'analyse où on a une perception fausse, c'est-à-dire des informations fausses, en fait, on ne perçoit pas la réalité. C'est-à-dire, elle est là, mais on ne la voit pas. Mais il y a des traditions qui prétendent qu'il y a du néant, à savoir que la réalité, de toute façon, tout le monde, on sera toujours dans une représentation. Donc la mémoire, l'identité, ce sont des constructions. Et donc, qu'au lieu de chercher la réalité, il faudrait la construire, en quelque sorte. Et en fait, quand on voit le film, on a l'impression que le personnage a une sorte de fracture dans son identité, dans sa mémoire, et peut-être, par conséquent, dans ses représentations. C'est vrai. Oui, c'est exactement ça. Mais bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, là, on est en train de parler de schizophrénie, et puis, on montre un personnage qui est très perdu, qui pourrait ressembler à un schizophrène. Mais d'un autre côté, vous avez vu la fin du film, les schizophrènes ne disparaissent pas dans le sol. Donc, en fait, moi, j'ai voulu faire ce film-là pas pour dire que nous sommes tous schizophrènes, mais que nous pouvons être dans des moments qui pourraient s'apparenter à la schizophrénie. Parce que tout un chacun, nous essayons d'interpréter les signes et les codes qui sont autour de nous pour construire notre réalité. Si les signes et les codes qu'on nous donne sont détournés, faux, nous construisons une réalité qui n'est pas forcément juste. Donc en fait, évidemment... Ça peut paraître un peu bizarre par rapport au réel schizophrène, mais Monsieur Tout-le-Monde, quelque part, à partir du moment où il n'est pas capable, où il interprète mal ce qu'il a autour de lui, vit dans un monde qui n'existe pas. C'est ce que je précise un peu à la fin. Effectivement. Merci. Par rapport aux semaines d'information santé mentale, pourquoi c'est important aussi de changer le regard, c'est que c'est aussi souvent un frein
à l'accès aux soins, à la demande d'aide, parce qu'on a peur d'être jugé. C'est pas forcément bien apprécié. Il n'y a pas que la schizophrénie hein, dans les pathologies. Il y a quand même entre autres la dépression qui est extrêmement fréquente. Et du coup, les personnes n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et donc, c'est vraiment un frein à l'accès aux soins. La question que je me pose si, par rapport au film, c'est ça a changé le regard des personnes qui sont dans la salle qui n'ont pas forcément connaissance de la maladie psychique. Est-ce que vraiment ça change leur regard? Est-ce qu'ils imaginaient un peu l'entrée dans la maladie ou la crise un peu comme ça? Est-ce que ça rassure? Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de peur. On associe toujours la schizophrénie particulièrement à la dangerosité, à savoir que c'est quand même plus eux qui se mettent en danger que le contraire. Et déjà, savoir si au moins ça a permis de changer le regard des personnes dans la salle. Faut qu'on lève la main. Oui, pourquoi pas. Oui, on peut. Est-ce que, voilà, en effet, ça serait intéressant de savoir dans la salle si, pour qui ça a changé en tout cas quelque chose, une découverte. Est-ce que ça a permis d'être moins inquiet ou au contraire, peut-être que ça a amplifié l'inquiétude par rapport à l'entrée dans la maladie. C'est possible. Alors, pour qui ça a changé quelque chose en tout cas. Ça m'intéresse de savoir, quoi, hein, parce que c'est l'objectif aussi de ces semaines-là, hein, apporter de l'information. Voir un petit peu autre chose dans ce que sont les maladies psychiques. Donc, je ne sais pas si ça a changé quelque chose, c'est tout ? Non ? Il y en a beaucoup pour qui c'est une découverte ou pas ? J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de souffrance chez le schizophrène. Je n'imaginais pas qu'il était autant dans la complication dans son esprit. Et nos attitudes font que des fois, on va développer peut-être un acte dans ses hallucinations parce qu'on aura eu un comportement qui n'était pas très bon. Et là, en voyant le film, on comprend qu'il y a des comportements qu'il faut qu'on évite pour éviter de déclencher la crise qui peut arriver chez eux. Mais je pense que c'est des êtres vraiment en souffrance et je ne pensais pas que c'était aussi important. Votre réflexion faire rebondir un peu sur ce qu'on peut proposer au niveau des soins. Donc les soins avant, ils étaient très centrés sur les patients. On s'occupait des patients à l'hôpital et puis on regardait pas trop ce qu'il y avait autour. De plus en plus, on essaye d'accueillir les familles, d'accueillir les personnes qui vivent avec les patients pour essayer d'apporter du soutien à l'entourage et que ça puisse aider aussi le patient dans son quotidien. Vous verrez à la sortie, il y a des plaquettes sur des groupes pour les familles qui s'appellent des groupes pro-famille, qui sont des groupes fermés sur un an, où on donne des outils pour permettre de mieux gérer certaines situations du quotidien. Et puis on essaye à travers des médiations thérapeutiques, à travers des formations, de permettre aussi aux patients de mieux gérer certaines situations. Par exemple, là, il y a beaucoup de troubles amnésiques, on pourrait dire, et comment on fait pour lutter contre ça. Il y a des outils qui existent maintenant, qu'on n'utilisait pas il y a 10-20 ans, parce que l'histoire de la psychiatrie, elle évolue sans cesse, et que des premières descriptions qu'il y a eu il y a une centaine d'années, on a évolué de ce qu'on appelait la démence précoce, après la schizophrénie, après la psychanalyse a voulu mettre son regard aussi là-dessus. Il y a eu le courant de pensée qu'on appelle la phénoménologie, enfin, tout un tas de personnes qui ont pensé la maladie à leur manière. Et puis actuellement, il y a d'autres visions sur la maladie. On essaye de penser les soins avec des manières nouvelles. Peut-être que dans 20 ans, on dira autre chose dessus. Mais ce qui apparaît là comme des troubles cognitifs, avant, on s'en occupait pas du tout. Et maintenant, on essaye de prendre ça en charge en proposant des actions au quotidien. Bonjour, voilà, donc moi j'ai pas vu le film malheureusement, donc je viens d'arriver. Et à peu près de ce que je sais par rapport à la schizophrénie, puis par rapport au monde de la psychiatrie. Donc une petite question, il y a plusieurs degrés de schizophrénie. Et aussi, donc parfois il y a beaucoup de personnes, aussi psychiatriques, qui font la différence, car c'est déjà arrivé, j'ai vu, j'ai entendu. Entre la schizophrénie, entre par exemple beaucoup de petits domaines,
comment vous expliquer Oui, des classifications en fait. Voilà, qui ouais. mélangent un peu la totale. Alors après, c'est une vision médicale de la maladie. Si on prend un cancer, on va le classer en différents stades. Si on prend le diabète, ben on va donner des diabètes qui sont insulinodépendants et non insulinodépendants. Et la psychiatrie en tant que science médicale, elle a voulu classer les choses dans des catégories. Donc effectivement, on peut retrouver différentes catégories de patients schizophrènes. Pour simplifier, on parle des schizophrénies maintenant. Et qu'il y a tout un questionnement sur le nom qu'on doit donner à la maladie. Est-ce que c'est toujours un nom qui est adapté, puisque c'est un nom qui a 100 ans ou est-ce que, grâce à l'évolution des sciences actuellement, ben, est-ce que l'heure n'est pas venue de changer ce nom-là pour éviter justement la stigmatisation? Donc on parle de ça lors des groupes d'éducation thérapeutique avec les patients. En général, on essaye de faire quelques minutes là-dessus pour proposer un nouveau nom, parce que c'est pas à nous de proposer un nouveau nom. Enfin, moi, je pense pas. Je pense que c'est aux patients. Ils ont tout un tas d'idées. Donc, voilà. La dernière en date, c'était les hyperdopaminés. Ouais, supradopaminés. Bon, donc ils ont intégré des théories neuroscientifiques à leur discours. Mais voilà, on sait pas de quoi demain est fait. La schizophrénie, classiquement, une des métaphores qu'on pourrait utiliser, c'est celle de l'éléphant. Et quand on regarde un éléphant, on peut regarder sa trompe et on va dire c'est quelque chose de long et de fin. On peut regarder ses pattes et on va dire c'est quelque chose de grand, de cylindrique. On peut regarder sa queue, son corps. Et on aura plein d'idées à dire là-dessus qui ne sont pas forcément fausses, mais qui ne vont pas forcément aider à avoir une vision élargie des choses. Peut-être que dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies, eh ben, on aura une vision plus globale et on aura un traitement plus global qui permettra de mieux parler de la maladie, de mieux la traiter et de permettre un mieux-être au quotidien. Oui, parce que moi j'ai eu un ami, on lui faisait des électrodes. Ouais, carrément, c'était carrément la totale, c'est l'affreux pour lui. Actuellement, il y a des traitements, on appelle ça les sismothérapies, c'est des traitements qui existent. Dans la schizophrénie, ils ne sont pas très indiqués, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce traitement-là. Il y a un traitement médicamenteux. Les traitements s'appellent les antipsychotiques à l'heure actuelle, mais il y a des pistes de recherche. Peut-être que dans les prochaines années, ce sera d'autres traitements qu'on donnera pour cette pathologie. Et comme je disais tout à l'heure, ces soins médicamenteux, ils s'intègrent à d'autres prises en charge avec un accompagnement que Virginie peut détailler. Tout ce qui est activité thérapeutique, les remédiations cognitives, le traitement médicamenteux, c'est pas le seul traitement, c'est vraiment une proposition de différents traitements et je dirais que c'est du soin sur mesure qu'on fait pour le patient, en fonction de ses objectifs et en fonction de son projet de vie, en fait. Et le but, c'est vraiment de sortir de l'hôpital et de les réinsérer dans la cité, pour certains retravailler. Moi, je sais très bien, je connais un peu le système avec l'ami en question. Vous pouvez, puis il en a eu tellement marre qu'à la fin, excusez-moi, vous comprenez la suite. Voilà. Donc nous, ce qu'on cherche à véhiculer, c'est un message d'espoir. Avec les nouvelles prises en charge qui seront proposées, on a l'impression, en tout cas, que nos patients vont mieux qu'il y a quelques années. C'est aussi ce message-là qu'on ressent quand on anime des groupes, ou comme la soirée d'hier soir, là, sur un film documentaire sur la vie dans une famille. Il y a des nouveaux traitements, il y a des nouvelles prises en charge, et on espère que de plus en plus, les patients vont aller de mieux en mieux. Donc sur les groupes d'éducation thérapeutique qu'on propose, au début, il y a 4-5 ans, quand on a commencé, on avait un seul groupe, ce qui était pour parler de la maladie et des médicaments. Et puis petit à petit, on a mis en place d'autres groupes sur la vie au quotidien, comment parler de l'hygiène, du sommeil, du tabac, des addictions. Ensuite, il y a un groupe sur le rétablissement qui se met en place. On essaye de développer ce qu'on appelle des pères aidants, de faire venir des patients dans l'hôpital et qu'ils puissent apporter leur point de vue autant aux soignants qu'aux autres patients qui sont hospitalisés. Voilà, on aimerait peut-être que l'année prochaine il y ait des patients qui viennent à côté de nous pour témoigner aussi lors de débats comme cela. Oui,
de l'homme. Voilà, je vais me permettre une petite intervention. Ah, c'est fabuleux, c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que ce que j'observe de ce que vous décrivez en l'occurrence, ça a beaucoup à voir avec des accompagnements que l'on peut avoir par rapport à des personnes qui sont dans le spectre de l'autisme. Donc Emilien Hamel, qui est le compositeur, je suis le compositeur de la musique d'Ainsi Ed, et je vais faire un coming out, en fait je suis autiste Asperger. Donc forcément ça veut dire que j'ai un rapport à la réalité et un rapport à la perception qui n'est pas tout à fait le même que le vôtre. Et ce que je vois par rapport aux démarches que vous développez, au-delà de la médication, c'est essentiellement des démarches dans le but de faire du lien, si je ne me trompe, de faire du lien et des ponts entre les personnes qui souffrent de schizophrénie. Et vous avez absolument raison quant au fait de donner un nom un petit peu différent par rapport à cette pathologie. Peut-être est-ce autre chose qu'une pathologie, je ne sais pas. Je ne connais pas assez de personnes schizophrènes pour pouvoir me prononcer. Mais je vois une analogie qui peut être très sympathique par rapport au fait, justement, d'un accompagnement de pair et aussi, dans la mesure d'une possible, d'une prise en charge des premiers intéressés du définitiel de leur propre état d'être au monde. Ce qui demande effectivement, par exemple avec vous deux, de faire des ponts. Voilà. Et en fait, ça m'avait beaucoup intéressé quand Franck Junot m'avait proposé de faire ce film, du fait du rapport à la mémoire et du fait du rapport à la perception, puisque étant neuroatypique, forcément cela me parlait. Et ayant découvert la chose au fur et à mesure, bah, j'ai un petit peu vu comment ça pouvait se mettre en place en termes d'hypersensorialité, en termes de récurrence de pensée, de récurrence musicale, et aussi de... vous avez entendu à certains moments des sons un peu particuliers qui étaient en fait des sons de la NASA, qui étaient des sons d'autre part. Notamment lors de la scène du cauchemar, et c'est en tout cas ma transposition que j'ai pu avoir de l'état de perception de Ed. Et puis voilà, mais tout cela est essentiellement pour moi, en tout cas en termes d'accompagnement, voire de prise en charge, une question beaucoup de lien. Et de ce point de vue-là, je vous félicite vraiment d'avoir pris cette initiative par rapport à vos patients. Oui, je suis le père d'un garçon qui est schizophrène. Je voulais savoir, je vais poser la question au psychiatre, savoir s'il y avait des avancées entre, d'une part, le domaine de la psychiatrie et d'autre part, le domaine de la neurologie. Puisque finalement, la schizophrénie, c'est un dysfonctionnement du cerveau. Et donc, on sait aussi que le cerveau, c'est un outil qui peut se transformer, qui peut évoluer, qu'on peut éventuellement, enfin, qui peut corriger des différences. Hein. On voit bien avec les aveugles qui développent des sens beaucoup plus développés sur l'audition, sur d'autres sens. Est-ce que on pourrait évoluer, enfin, d'une part, est-ce que la neurologie peut apporter des réponses sur les zones qui sont affectées ou sur lesquelles il y a des problèmes de fonctionnement, de transmission des codes. Et puis, est-ce qu'il y a des ouvertures possibles pour remplacer l'action des médicaments ? Alors, la réponse est oui. Donc, il y a des zones qui sont déjà identifiées dans la schizophrénie. Il y a par exemple ce qu'on appelle le cortex préfrontal. C'est la zone juste à l'avant du cerveau, là derrière le crâne, enfin, la zone que je montre là, et qui est en lien avec l'action, comment on prend une décision de commencer une action, de la maintenir, de l'arrêter. On sait qu'il y a des lésions aussi dans au niveau du cortex limbique, des lésions... de l'amygdale, des zones qui gèrent les émotions, des zones qui gèrent le contexte. Donc ça, c'est quand on a une vision par scanner ou par IRM. Après, il y a des études génétiques aussi pour essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent être trouvées à ce niveau-là. Et une des pistes principales de recherche actuellement, c'est sur les neurones qu'on a dans les intestins. Vous savez que la maladie de Parkinson, enfin vous ne le savez peut-être pas, elle est diagnostiquée beaucoup plus tôt maintenant, grâce notamment aux équipes nantaises, par des examens du côlon. On peut retrouver des lésions des cellules intestinales qui permettent de diagnostiquer précocement la maladie de Parkinson. Et donc il y a
des études sur des médicaments qu'on appelle des probiotiques. Donc c'est des choses qui vont gérer nos bactéries qui sont dans notre intestin et sur des répercussions qu'il pourrait y avoir sur le cerveau. Comme quand on est angoissé, on a tous une boule dans l'estomac ou un nœud dans le ventre. Depuis tout le temps, on le formalise comme ça. Et la science, à l'heure actuelle, montre que effectivement, c'est lié à ces neurones qui sont présents dans notre ventre. Et que peut-être qu'à l'avenir, les traitements sont différents. Comme je disais tout à l'heure avec mon analogie sur l'éléphant, peut-être qu'on va donner des traitements parce qu'on va regarder plus le ventre. Les traitements vont être différents des médicaments qu'on donne maintenant, ou peut-être complémentaires, on ne sait pas encore. Voilà. Oui, il y avait la dame là-bas, tout le monde. Oui, je voulais demander aussi si on sait actuellement si la schizophrénie, en dehors de l'héritage génétique qu'il peut y avoir, supposément, est-ce que la schizophrénie peut se déclencher à la suite de traumatismes émotionnels dès l'enfance, en fait, sans qu'il y ait pour autant de facteurs génétiques? Oui, alors le modèle actuel principal, qui est utilisé, c'est un modèle qu'on appelle stress et vulnérabilité. Donc c'est un modèle qui met en lien une vulnérabilité qui est génétique, qui peut ne pas se déclarer, et puis des stress extérieurs qui viennent dans la vie de tout un chacun et qui peuvent déclencher quelque chose qui sinon serait resté latent. Dans ces stress, on peut retrouver les traumatismes, on peut retrouver les drogues, on peut retrouver les déménagements, on peut retrouver un deuil, des choses de la vie quotidienne, des situations de conflit, des situations de difficultés professionnelles. Moi, je voudrais témoigner en tant que mère de schizophrène aussi. Et je voulais témoigner aussi de ma participation à ProFamille, et qui est une aide vraiment importante pour nous. Parce qu'on parle, quand on parle de schizophrénie, on parle aussi de la souffrance du malade, mais aussi de la souffrance de la famille qui est bouleversée, les parents, les autres frères et sœurs, tout l'univers est bouleversé. Et je dois dire que depuis ma participation à ProFamille, je retrouve un peu de sérénité, et puis je pense être plus aidante aussi pour mon fils qui est atteint de schizophrénie aussi. Et donc je voulais témoigner du fait que vraiment c'était une aide très très importante, surtout que notre fils a été diagnostiqué déjà depuis de nombreuses années. Et je pense que on voit l'évolution qu'il y a pu y avoir, et j'espère, moi, que ça continuera à évoluer. Et sur le film, moi, ça m'a beaucoup émue, parce qu'on se rend compte de la difficulté des patients, mais là, c'est vraiment émouvant, et puis déstabilisant pour nous. Mais j'espère aussi que ça changera le regard que les gens peuvent poser sur ces patients-là, qui, en fait, souffrent beaucoup. Il y a une grande souffrance, et donc ce serait bien que le regard change. Voilà. Merci pour ce témoignage, et puis j'associe sur la présence dans la salle de personnes de l'UNAFAM. Je pense que c'est un partenariat important, et que les groupes ProFamille n'existeraient pas sans le lien avec les associations.
Notre idée, ça serait que il y a des associations de patients aussi, il y en a déjà dans d'autres villes en France, et que peut-être un jour à Nantes on aura cette chance aussi, et que ces associations puissent mobiliser et faire avancer les choses. Du coup, je vais rebondir. Effectivement, moi aussi, je suis proche d'un malade. Et je pense qu'on est effectivement assez nombreux de l'UNAFAM ici. Et je me demandais quoi faire du film, en fait. Parce que je trouve que c'est assez ambivalent pour les proches, parce que le film, il est très descriptif. Il n'y a pas vraiment de médiation. Et je trouvais que le message pour les proches, il est double. Il est à la fois extrêmement angoissant, parce qu'on se dit que... on ne peut rien faire quand le patient est en crise. Et en même temps, extrêmement rassurant parce qu'on se dit, justement, je ne peux rien faire. Et du coup, ce n'est pas de ma faute. Et du coup, je ne peux pas. Je trouve que le message est double, que peut-être il aurait besoin d'une médiation justement pour les proches qui se prennent ça dans la figure. Mais le message du film lui-même, je pense qu'il est assez violent, puisque j'entendais madame dire « maintenant, je saurais que je peux déclencher une crise ou que je peux déclencher des hallucinations ». Ce qui me fait un peu peur, ça me fait un peu peur d'entendre ça. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne interprétation de votre message. En tant que proche, j'ai du mal, pour l'instant, parce que je n'ai pas eu le temps de digérer le film, j'ai du mal à savoir quoi en faire. Il y a la réponse. Je comprends bien. Alors d'un autre côté, moi, je ne l'ai pas réellement fait pour ça non plus, quoi. Mais j'entends que ça peut troubler et que quelque part, je ne sais pas si ça sert à grand chose. Je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Je n'ai pas fait le film dans un but thérapeutique non plus. Comme je disais au début, moi j'ai essayé de parler de la réalité et j'ai surtout essayé de dire méfiez-vous, monsieur tout le monde peut en arriver là. Alors pas au point certainement d'un schizophrène, mais bon, c'est ce que j'ai voulu faire et dire. Donc c'est pas un médicament contre la schizophrénie, quoi, c'est sûr. Hein. Donc, je ne sais pas quoi en faire, à ce moment-là. Je crois que là, on est juste tous en train de réfléchir ensemble, main dans la main. Je ne faisais pas une critique. Je crois qu'on est tous en train de réfléchir tout haut à comment on fait avancer les choses. Tout à fait. Donc, bravo, et en tout cas, bravo à l'acteur principal, parce que ça a dû être super difficile. Philippe Leloir. Oui, moi, je voudrais... Oui, je voudrais revenir sur une idée qui me semble très importante, c'est que effectivement j'ai trouvé votre film excellent, mais c'est un film sur la crise. Et des films sur la folie, il n'y en a pas tant que ça, qui montrent justement les va-et-vient qu'il peut y avoir entre des moments de répit et des moments de crise. Alors, ce qui est embêtant, c'est que la folie reste en France quelque chose qui est... comment dire, stigmatisé, qui inquiète, et un film tel que le vôtre peut ajouter à l'inquiétude. Excusez-moi. Ceci dit, je répète, votre film est excellent sur la crise. Mais ce dont s'intéressent assez peu les cinéastes, c'est justement, sur comment on pourrait effectivement éclairer les gens sur ces va-et-vient-là, entre les moments de crise et les moments... de répit, ce qui permettrait de faire moins peur, alors que souvent la folie fait encore peur. Et ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que souvent, les gens qui sont atteints de maladies psychiatriques se retrouvent dans une solitude noire. Les seules personnes qui éventuellement peuvent les aider, ce sont la famille, mais des fois la famille est défaillante, et la solitude est encore plus forte. Et n'importe quel psychiatre vous dira que dans ce cas-là, pour s'en sortir, c'est quasiment impossible. Et ce sujet-là n'est jamais abordé. Et c'est bien dommage. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci pour ce témoignage.
dans plein de domaines, en fait, on ne sait pas trop ce qui va être efficace. Je pensais, là, en vous écoutant, au changement climatique. Il y a plein de films sur les dangers du... On a des connaissances, on montre voilà, que la montée de l'eau à différents endroits du monde. Et les films qui montrent qu'il y a des solutions, eh ben, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et pourtant, bah, qu'est-ce qu'il faut pour faire changer les mentalités? Est-ce qu'il faut informer sur les dangers? Est-ce qu'il faut informer sur les solutions? Est-ce qu'il faut faire un peu des deux, comme vous disiez, sur le va-et-vient? On ne sait pas, on tâtonne encore dans plein de domaines. Mais j'espère que demain, on arrivera à ce que les choses évoluent dans le bon sens. Oui. Une petite intervention. Donc, merci beaucoup, monsieur, de votre intervention, qui était très touchante et tout à fait pertinente. Le film de Franck, tel que je le perçois, est descriptif, effectivement, de l'état de crise. Là, ce qui est en train de se passer d'intéressant, comme disait madame qui intervenait juste avant, c'est que l'on réfléchisse main dans la main. C'est peut-être ça, finalement, le plus important. Moi, je voudrais... j'ai pas besoin de micro, c'est pas assez vite. Vous si vous m'entendez. Je voudrais juste demander au psychiatre si parmi... Alors, ça va à rebrousse-poil de tout ce qui a été dit. Je suis désolé si ça paraît indécent. Je voudrais savoir si parmi vos patients, considérés comme fous, j'en suis un, je ne suis pas patient, je voulais savoir s'il y a des gens que vous considérez comme des génies potentiels et qui ne sont pas fous dans la mesure où on peut considérer, et vous êtes bien placé pour le savoir, qu'ils ne nuisent pas à la société et ils ne se nuisent pas à eux-mêmes. Des artos en germe. Voilà. Et je voulais aussi dire que, par rapport à la question qui a été demandée au début, en fait, moi, je n'étais pas schizophrène du tout, mais depuis le tournage, je le suis depuis. C'est moche. Mais j'ai pas envie de guérir. Excusez-moi. Non, je sais pas. Je pense qu'en faisant ce métier, on reste un peu émerveillé par le côté fantastique de l'esprit humain. Et voilà, des génies, je pense qu'il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, et qu'il y en a chez les soignants, et puis il y en a chez les patients aussi. Non, mais j'ai pas été assez clair, sans doute. Je voulais savoir si parmi ces génies, il n'y aurait pas en vous un doute, dans la mesure où vous pourriez vous dire, voilà, est-ce qu'il faut le réduire à ce qu'on appelle la norme, ou est-ce que dans la mesure où il n'est pas nuisible à lui-même et aux autres, on le laisse exprimer son génie? Génie créatif, par exemple, forcément. Que ce soit un poète ou un poète un cinéaste, en fait, je veux dire, si quelqu'un avait, si la psychiatrie avait les moyens d'aller voir le cerveau de David Lynch, je pense qu'on verrait que c'est un théâtre assez doué, quoi. Exactement. On parle actuellement d'autodétermination, c'est-à-dire que c'est au patient de fixer un peu la norme, comme vous disiez. Et que nous, parfois, c'est la société qui nous mandate pour fixer une norme et pour dire stop. Mais peut-être que bientôt, ça ne sera plus le travail du psychiatre. Hein, je ne sais pas, les sociétés évoluent. Et que si on va vers des patients qui sont de plus en plus acteurs de leurs soins, et ben, on va vers des gens qui seront de plus en plus capables de dire ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas bien pour eux, et où est la limite. Mais parfois, il faut mettre un stop. C'est la question qu'on travaille à Profamille parfois, de règles de communication, et puis aussi de limites. Comment faire pour féliciter les avancées positives, mais comment à certains moments, il y a des choses qui ne sont pas tolérables. On habite toujours un petit peu entre ces deux extrêmes, c'est pas facile. Oui, puis je crois que bon, il y a la question qu'est-ce que la norme, évidemment, mais il y a aussi la souffrance. C'est-à-dire que si, à la rigueur, un schizophrène qui peut ne pas souffrir grâce à l'art qu'il pratique, après tout, tout va bien. Mais je crois que le problème là-dedans, c'est pas tant la norme que la souffrance, quoi. Enfin, je crois. Oui, parce que je connais visuellement quelqu'un qui est considéré comme schizophrène et le film par rapport à ça, c'est pas un problème. Mais je voulais savoir aussi si vous aviez toujours observé chez les schizophrènes, dits schizophrènes, donc au sens classique du terme, la spine du sujet, etc., cette espèce de parcours ritualisé, ces rituels qui s'imposent à eux et qui ne sont pas visibles. Genre, celui auquel je pense, il est à Canadès sur un,
sur un ponton comme ça, il est très heureux. Il est souriant, il avance, comme ça. Tout d'un coup, il s'arrête, il bloque. Il semble réfléchir, comme ça. Il repart, il y a un petit rire. Il repart, comme ça. Et il est très heureux, il est seul dans son monde, il est parfait. Il est idéal. Et moi, je le regarde, en plus, c'est la nourriture par acteur, donc je le regarde, je vois que cet homme est considéré comme schizophrène, donc pas nuisible du tout, et qu'en plus, il a son petit jeu, il est bien, quoi. Oui, je le suis. Oui, il y a aussi le problème de l'ignorance. L'ignorance par rapport à toute personne qui connaissent tout le monde, par exemple, est-ce que c'est Tony, excusez-moi, bon, parce que je suis venue très en retard, donc je n'ai pas pu voir le film. Et il y a aussi l'ignorance, par exemple, au niveau des questions des filles, donc on peut mélanger la totale. Hein. Sur ces questions-là, c'est le témoignage que je faisais tout au début. En fait, je ne sais pas par quel bout il faut prendre les choses, et qu'il y a un côté information. L'information, on la donne lors des groupes d'éducation thérapeutique qui sont destinés aux patients, où on fait des séances de 2 heures sur des thèmes comme la maladie. On explore les choses dont vous parlez là aujourd'hui. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est neurologique? Est-ce que ça vient de mon alimentation? Est-ce que ça vient de ceci, de cela, de traumatisme, d'addiction? On parle des médicaments, comment ils fonctionnent, et puis on donne la parole un peu à tout le monde, parce que chacun a ses représentations de comment ça marche son cerveau et comment ça marche les médicaments. On n'a pas de réponse en toute faite, et de toujours ou de 100%, ça n'existe pas dans notre métier, en tout cas pas actuellement. Et puis l'information, après, on la donne aux familles aussi, à travers des groupes. Alors on essaye de se mettre à jour de l'actualité des sciences. Pour les familles, on fait 4 heures à chaque fois par thème. Et 4 heures, bah, c'est pas 4 minutes ou 40 minutes de débat. On essaye de donner un maximum d'informations. Est-ce que l'information change les comportements? Est-ce que ça change le monde? On ne sait pas, mais on essaye de prendre les choses par ce bout-là. Donc sur les rituels, eh ben, il y a 10% des patients dans les études statistiques qui souffrent de schizophrénie et qui ont des rituels, parfois certains un peu étranges, mais parfois comme d'autres obsessions de tout un chacun. C'est un chiffre, on peut le contester, on peut... Globalement, c'est ce qui se dit. Et parfois, vous pensez que parfois, vous ne pouvez pas vous sentir des personnages, je veux dire des personnes qui ont de la schizophrénie? Bien sûr. L'être humain est faillible, les médecins, les infirmiers en font partie. Exemple, bon, c'est un petit exemple que je vous donne. Hein. Moi, par exemple, on m'a considéré comme bobipolaire, je ne le suis pas. Alors, j'ai été suivie par une autre personne et on m'a dit que j'étais pas bobipolaire. Donc, il faut vous mettre en accord, entre guillemets. Car je ne le suis pas du tout. Il y a une dame là qui m'a posé une question. J'ai eu des problèmes à cause de ça par rapport à la bobipolaire. Donc ça pose la question des diagnostics en psychiatrie. C'est une très bonne question. Les diagnostics, avant, on ne donnait pas le nom des maladies aux gens. Les gens qui faisaient ça, ils pensaient bien faire. Maintenant, on se dit que c'est mieux et que ça peut aider les gens pour des démarches, notamment les allocations adultes handicapés, la reconnaissance travailleurs handicapés, et pour le quotidien. Pour pouvoir parler de la maladie, de savoir de quelle maladie on souffre, c'est utile. Peut-être que dans 30 ans, on nous dira de faire différemment. Hein. La dame voudrait poser une question là, depuis un moment, il y a un monsieur qui attend là aussi. Excusez-moi, je voulais juste revenir à quelque chose qui me tient à cœur, parce que même si à distance... Voilà, je vis ce souci et cette problématique, parce que c'est la problématique fondamentalement pour la personne et pour la famille qui est à côté. Comment faire accepter aux patients cette maladie? Ça, c'est la question qu'on se pose, parce qu'on a beau dire de toute manière que c'est la même chose que quand on est touché par un problème cardiaque. Or, il y a la société, bien sûr, parce que bon, on a toujours mis sur tout ce qui est maladies qui viennent de la tête des schémas
sûrement, mais il faut aussi savoir que c'est ça aussi qui nous aide à vivre autrement. Or, il y a la société, certes, et on en a discuté, comment faire et tout ça, mais il y a aussi la résistance du patient, à laquelle, voilà, je vous dis, voilà, on est confronté. Alors, en effet, on dit que 60% de nos patients sont dans le déni de la maladie. Après, je dirais que c'est beaucoup au début des troubles. Et qu'après quelques années d'expérience de maladie, de rechute, de réhospitalisation, et ben, et aussi par les groupes d'éducation thérapeutique, les choses avancent. Mais il faut beaucoup de temps. Et ben, on a beau leur dire, mais si vous êtes atteint de schizophrénie, ils vous disent, bah non, et j'ai aucune raison de prendre mon traitement parce que je vais très bien. Et du coup, oui, c'est très compliqué à travailler. C'est un travail de longue haleine, en fait. Après, une des techniques, il y en a de multiples, mais c'est déjà d'être dans l'alliance avec la personne. Si on a une bonne relation, on peut discuter de tas de sujets, dont la maladie. Quand on parle sans cesse du médicament, qu'on parle sans cesse de schizophrénie, on n'est pas dans la vie des gens au quotidien. Et du coup, on va au conflit, et on ne risque pas de pouvoir faire accepter quelque chose quand on est dans le conflit. Donc c'est déjà penser à la relation, au lien, comme on disait, comment on peut avoir un lien apaisé avec les gens. Donc on choisit des gentilles infirmières, on fait des recrutements, voilà, pour que ça se... C'était une blague à part, mais voilà, on essaye, nous, d'être dans un lien avec les gens, de pouvoir continuer à travers les crises, ou même dans des moments de difficulté, à ce que, voilà, ils sachent que la porte est ouverte, qu'on peut les accueillir, et je pense que pour les familles, pour l'entourage, eh ben, c'est aussi ce message-là, d'être présent. Mais, ouais, peut-être qu'il y a d'autres témoignages. Hein. Je peux apporter un court témoignage en tant que patient, souffrant de maladies psychiques. Je ne sais pas si je t'avais à mon micro, le film se termine à l'hôpital, entre guillemets, et pour moi mon parcours a commencé à s'améliorer à l'hôpital. J'étais exactement dans le déni du soin pendant des années, donc j'ai fait des allers-retours entre chez moi et l'hôpital et différentes structures que proposait l'hôpital de jour, atelier thérapeutique et c'était à l'époque aussi dans un service de l'hôpital Saint-Jacques en psy 3. Et ce que je voulais effectivement pointer du doigt comme vous madame, c'est le fait que de mettre l'accent sur le fait d'accepter le soin. Et moi j'ai été dans le déni parce que la plupart des fois au début de mon parcours psychiatrique, et parce que les médicaments ne marchaient pas toujours et qu'il fallait vraiment être patient, et ce que je n'étais pas, et j'avais beaucoup de mal parce que les traitements avaient beaucoup d'effets secondaires. Et donc je voulais exprimer au passage que j'exprime ma reconnaissance envers toute la recherche qui peut permettre de faire avancer les choses et peut-être de faciliter ce lien dont vous parliez tout à l'heure aussi, qui est entre le monde médical et le patient, en lui proposant des choses qui sont plus adaptées, qui seront peut-être plus adaptées encore dans le futur. Je voulais dire que c'est vraiment, pour moi, l'hôpital a été non seulement imposé, mais je me suis aperçu après coup que, en fait, sans l'hôpital, je ne serais peut-être pas encore ici en train de vous parler. Et d'autres, il n'y a pas que l'aspect médical l'aspect soignant, et aussi la démarche que personnellement on est à même de faire, ou le fait que l'extérieur peut nous éveiller, nous éveiller à faire d'autres choses, en fait. Je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais j'ai pris conscience de mon potentiel à partir du moment où j'ai accepté d'avoir recours à l'aide médicale, et que ça m'a ouvert les portes de ma propre vie, et que ça continue de le faire actuellement. Donc je souffrais de pathologie, je souffre beaucoup moins, je dirais que je suis même très heureux de vivre aujourd'hui, et j'ai beaucoup de choses à exprimer par ailleurs aussi, et je vais le faire, en fait, voilà. Et merci à l'ensemble du personnel médical, et de tout le monde, de tous ceux qui ont croisé mon chemin, qui ont tendu la main aussi, donc voilà. Merci à vous pour ce témoignage.
qu'on fait deux, trois dernières questions et puis... Bon, à propos du film, il est un peu dérangeant ce film, mais l'intérêt pour moi, en tout cas, c'était de... On est à l'intérieur de la maladie, on est à l'intérieur, Enfin, moi, je me rends mieux compte, effectivement, de ce qu'une crise veut dire, comment ça peut être vécu, bouleversement. Voilà, je pense que c'est l'intérêt de ce film. Moi aussi, je suis maman d'une jeune femme qui est atteinte de troubles psychiques et elle est aussi très réticente pour se soigner. Ça fait plusieurs années que ça dure et c'est très douloureux pour elle et pour nous qui sommes autour, qui sommes avec elle. Donc depuis pas mal de temps, je me demande comment les professionnels pourraient aller vers ces personnes davantage. Je trouve que ces personnes sont laissées isolées. Elle vit chez elle, elle a des amis qui souffrent de troubles aussi, mais qui se soignent. Mais quand elle, pendant longtemps, elle refuse le soin, ses amis se détournent d'elle. Petit à petit, elle est seule. Et je fais appel au CMP, parce qu'elle a été hospitalisée, elle est connue au CMP. Il n'y a pas de réaction, personne ne vient. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des personnels qui pourraient se déplacer, aller vers les personnes, tendre des perches, aller vers, dans la bienveillance, dans l'écoute, faire tout ce chemin? Je pense qu'on éviterait peut-être des drames, on éviterait trop de douleurs, trop de désemparements, si on peut dire. Voilà, je me pose la question. Effectivement, dans ce qui existe, il y a les centres médico-psychologiques dans la cité, il y a les centres d'activité thérapeutique à temps partiel, les hôpitaux de jour, mais qui nécessitent un engagement du patient. Il y a des équipes qui peuvent se déplacer au domicile, ça c'est ce que peut faire le soin. Après, il y a d'autres structures qui existent, comme les SAMSA, les SAVS, qui sont des structures nouvelles, enfin, ça a quelques années maintenant. Grâce à la loi sur le handicap, ces structures-là se créent. Il y a les groupes d'entraide mutuelle aussi, et que c'est ce travail de lien, de partenariat entre les différents acteurs du réseau qui peut permettre parfois aux patients d'intégrer le soin par une de ces portes d'entrée-là. On parle souvent de parcours, alors ça veut tout dire et rien dire en même temps, mais pour moi, ça signifie qu'on peut rentrer sur ce chemin par différents endroits et qu'on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va convenir à quelqu'un. Et certains commencent par les centres d'activité et viennent directement. Certains passent par leur médecin traitant, hein, j'en ai pas parlé, mais voilà, nous on a des liens réguliers avec les médecins généralistes, on essaye, en tout cas, d'en avoir. Et que, voilà, c'est ce travail qu'on fait à différents niveaux, en informant dans les écoles d'infirmières, dans les écoles de médecine. On intervient dans des diplômes universitaires pour donner des cours, des conférences. Et que petit à petit, on peut se dire que les gens savent un peu mieux faire. Et les professionnels de plein de structures, de centres d'hébergement et de réinsertion, de centres médico-sociaux sont toujours friands de conseils pour pouvoir amener le lien et la relation, parce que faire accepter un traitement, faire accepter des soins, c'est pas facile. On n'a pas de panacée, mais peut-être qu'on a quelques petites techniques qu'on peut partager et qui peuvent permettre aux gens d'aller mieux un peu plus rapidement et pas de rester dans la souffrance trop longtemps. Dernière question. Bonjour, je suis soignante. Moi, pour répondre au questionnement de madame, c'est vrai qu'à Nantes, il n'y a pas du tout d'équipe mobile. Or, effectivement, c'est très très compliqué pour des familles, pour des patients qui sont isolés, qui sont isolés, hein, au niveau où le médecin généraliste ne peut pas forcément intervenir, où le psychiatre est désemparé, le psychiatre libéral ou autre, dans la mesure où il n'intervient pas non plus au domicile. Dans des villes, dans plusieurs villes, l'équipe mobile existe. C'est effectivement les gens qui vont, enfin les professionnels, médecins, infirmiers, psychologues, qui interviennent directement au sein, avec l'accord de la famille, voilà, pour évaluer déjà une première évaluation. Et je pense que c'est une carence au niveau de Nantes pour
parce que là, vous parlez essentiellement de groupe. Or, pour qu'un patient puisse accéder déjà à un groupe, il faut qu'il y ait déjà eu un travail en amont. Enfin, on parle d'alliance, on parle de mais enfin, ça se fait pas. C'est pas parce que l'État donne des moyens pour tel et tel, tel atelier thérapeutique, tel et tel. Moi, je pense qu'il y a effectivement un manque. Et je pense qu'on gagnerait énormément en psychiatrie, travailler avec les urgences, éviter des fois des hospitalisations, permettre aux patients l'intervention d'une équipe mobile pour éventuellement étayer, soit avec un CMP, soit il y a des hospitalisations domiciliaires qui existent, pour permettre aux familles d'être moins méfiantes par rapport aux soins, aux patients également. Et je pense qu'il y a encore des choses à faire. Je crois qu'il va falloir embaucher. Il faut y penser pour les prochaines élections. Excusez-moi, pourquoi on n'en parle pas assez de cette maladie? Les médias, la télévision, il n'y a pas tellement de débats. Et s'il y avait ça avec des informations... Donc là, il y a une pétition de l'UFM, justement, pour que ce sujet de la maladie psychique soit relayé aux hommes politiques qui se présentent en présidentiel. Donc, on peut la signer, elle est en ligne. Je n'ai pas de droit dessus, mais... Parce que c'est vrai que les journalistes, tout ça, on n'entend pas parler, même cette semaine-là, que c'était la semaine des maladies psychiques, même sur la radio de Nantes, simplement, on n'en a pas entendu parler. On le sait quand on fait partie d'un groupe, de quelque chose, mais autrement, on n'est pas au courant. Et c'est bien dommage, parce que le patient qui, lui, se retrouve seul, qui est dans le déni, ben, si des fois il avait une petite information, un numéro de téléphone, peut-être que de lui-même, il irait à cet endroit-là. Et c'est bien dommage. Ils sont les premiers à se faire psychanalyser, ils n'iront jamais. Voilà, moi je suis plutôt dans une vision d'amélioration. Et donc je me dis que si on est 100 cette année, on sera 200, que Franck va faire un film sur le rétablissement, ça va être trop bien. Et puis que... Non ? Le prochain est pire. Oui, oui, je voudrais intervenir une dernière fois, je sais qu'on arrive au terme de notre entrevue, mais par rapport à... Je voudrais revenir sur le déni. Le déni, c'est le frein le plus fort à supprimer. Et ce déni, je crois qu'il est en partie dû également au regard que la société a sur la maladie psychiatrique. Autrement dit, il y a 30-40 ans de ça, on avait honte d'avoir le cancer, on n'en parlait pas. Ensuite est venu le sida, pareil. Mais par contre, actuellement, accepter et dire qu'on a un trouble psychiatrique, c'est très mal vu par la société. À tel point que le patient lui-même refuse de l'admettre. Donc, ce que vous dites est très juste. Si on prend l'exemple du sida, ça a modifié beaucoup, beaucoup de choses dans les hôpitaux, parce que bah, y a des médecins, des infirmiers qui ont vu leurs proches avoir cette maladie-là, et que les amis, les familles, elles sont venues dans les hôpitaux, et elles ont bousculé les manières de faire dans les années 80-90, et ça a changé la donne. Peut-être que, voilà, pour la psychiatrie, les choses ont évolué aussi. Petit à petit, bah, les familles prennent plus de place, hein, et tant mieux. Et peut-être que les patients vont prendre aussi plus de place, hein, et que ça va nous chambouler, nous, dans nos certitudes, mais en bien. Par contre, excusez-moi, je vais revenir sur le film, hein, qui est excellent sur la crise, je suis d'accord. Mais je pense que si on veut que le regard de la société change sur la psychiatrie, il faudrait essayer d'arriver... À montrer que finalement c'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément si grave, et surtout c'est pas honteux. Voilà. Alors moi je pourrais vous apporter un élément de réponse par rapport à ce dont je suis représentatif, qui est l'autisme. Si étonnant que ça puisse paraître, j'arrive à faire du lien avec à peu près n'importe qui d'entre vous. Oui, vous avez raison sur le fait qu'il y a tout un travail d'information à faire sur le changement du regard des personnes sur les... Enfin, de la population en général, sur les personnes concernées. Je le vois au niveau de la façon dont s'articule la sphère dite militante autiste, qui est surtout représentée par des mères et des parents d'autistes dans le cadre des associations.
qui sont très visibles, tel SOS Autisme, Autisme sans frontières, etc. Et c'est maintenant seulement qu'on commence à avoir une forme de représentativité dite autistique, et même de pôle d'excellence autistique, je suis en train d'en monter un du côté de Grenoble, pour faire valoir justement un point de vue différent qui peut apporter beaucoup de choses sur un paysage donné. Donc à un moment, je pense que c'est justement ce que font nos deux interventions, enfin, votre nom déjà c'est quoi, finalement. Virginie et Pascal, c'est ce qu'ils font, ils font justement du groupe de lien afin de responsabiliser dans la mesure du possible les malades pour qu'ils se saisissent, je pense, eux-mêmes du propos. On a vu la même chose dans les années 1970 avec l'homosexualité qui jusqu'en 1973 était considérée comme une pathologie. Et la chose a été saisie par les premiers intéressés, ça a été dépénalisé en 82 avec l'arrêté Gisèle Halimi. Et c'est désormais, je crois, depuis le DSM-4, considéré seulement comme dysphorie du genre, donc juste un syndrome, pas une pathologie. Et ça a été la même chose au niveau du sida, où justement, les familles ont commencé à bousculer un petit peu les habitudes. Et dans la mesure où c'était une pathologie qu'on ne connaissait pas, les malades eux-mêmes étaient limite parfois plus assertifs que les médecins. Donc ça demande effectivement, comme vous le dites, un changement de regard de la société sur les premiers intéressés, afin que les premiers intéressés puissent s'admettre différents, schizophrènes, autistes et autres. En tout cas, moi, je vois ce parallèle par rapport à ce que moi, je connais. Puis une dernière chose, et puis après, je n'interviendrai plus, c'est sur la solitude donc, qui a été évoquée dernièrement, là, tout à l'heure. Effectivement, vous avez répondu que le monde médical essaye effectivement de sortir les gens qui subissent des troubles psychiatriques de la solitude, c'est vrai, mais l'ennui, c'est que la société ne se réduit pas au monde médical et qu'il faudrait que, là encore, la société tente des perches, ne serait-ce que, par exemple, du travail à temps partiel, qui est effectivement un moyen, un support pour sortir de la solitude des gens qui, je vous l'assure, hein, moi j'ai vu des trucs terribles, 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 quand les gens sont en souffrance, subissent des troubles psychiatriques, des fois qui ne sont pas gravissimes, mais qu'en plus ils sont seuls dans leur studio, comment voulez-vous qu'ils en sortent? Comment voulez-vous? C'est pas possible. Je vais intervenir si vous voulez bien. Voilà, en fait, la question que vous soulevez est extrêmement intéressante parce qu'il existe quelque chose. En fait, c'est très étonnant parce que les recours de reconnaissance qualification travailleur handicapé, c'est assez étonnant parce qu'en fait, 80% des handicaps sont invisibles. Le diabète est considéré comme un handicap et l'exclusion sociale l'est considérée aussi. De ce point de vue-là, je sens même que ce serait une bonne idée que peut-être une association saisisse le problème par rapport à ce type de handicap ou par rapport à ce type de différence cognitive en faisant des... Il y a un truc très bien qui s'appelle les entreprises adaptées dans des milieux normaux, je crois, c'est un truc du genre. Non, entreprises adaptées en milieu ordinaire qui donnent la possibilité d'une discrimination positive par rapport à des personnes qui sont dites handicapées de façon invisible, mais qui donnent un sens, en l'occurrence. Donc ça permettrait ce type d'insertion en termes de discrimination positive dans la société, en attendant un changement de regard dans un second temps, et donc une inclusion totale. Enfin voilà, en tout cas, moi c'est comme ça que je le considère. Bon. Excusez-moi. De toute façon, pour moi, on est tous plus ou moins à mobilité réduite, ou handicap étant réduite. On a tous un handicap quelconque, soit disant par exemple humain qui a du mal à fonctionner, ou un doigt, on ne peut pas aller au travail. Donc on est tous plus ou moins handicapés, comme vous dites. Moi je dis une personne qui a une difficulté quelconque, ou soit psychique ou non psychique, voyant ou non-voyante, voilà, le problème est là, c'est l'ignorance, aussi le problème de la adaptation, l'accessibilité. Donc en fin de compte, c'est le monde de l'ignorance. Hein. Donc pour ça, il faut que tout le monde s'y mette. Et on ne pourra rien y faire, même si, je veux dire, les médias en parlent,
le gouvernement, mais le gouvernement ne fera rien. En fait, c'est un cercle vicieux. En tout cas, mon... On essaye de le transformer en cercle vertueux. On s'y prend peut-être pas de la bonne façon, mais voilà. Il y a une conférence sur le travail justement qui commence pour ceux qui veulent y filer directement. Il y aura sûrement plein d'informations aussi qui seront données. Tout le monde en parle. Oui. Voilà. Il y a un projet de recherche sur Nantes sur les troubles cognitifs et sur ce qu'on appelle la remédiation cognitive. Est-ce que de faire 6 mois de remédiation, ça va permettre une meilleure insertion en ESAT, hein, ou est-ce que ça ne change rien? C'est un projet de recherche. On verra les résultats. En tout cas, merci à tous d'être venus nombreux. Je pense qu'on peut quand même laisser aux acteurs au sens large du terme la conclusion. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer maintenant et apporter des témoignages fort riches. Vous vouliez aussi participer à la conclusion. Non, pas nécessairement. Mais je rejoins tout à fait madame quant au fait de dire que ces histoires d'insertion et d'inclusion professionnelle est effectivement une responsabilité sociétale et que je pense qu'un axe qui peut être extrêmement vertueux de ce point de vue-là est de voir comment le cinquième pouvoir, qui n'est pas celui des médias mais qui est celui du peuple par rapport à Internet, peut se saisir du projet par points névralgiques et viralités diverses et variées organisées avec un propos choisi. En tout cas, c'est ainsi que je l'imagine. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, on va dire, entre guillemets, à mobilité réduite, qui sont en fauteuil ou autre, psychique ou quoi que ce soit, qui peut faire le mieux, qui ne peut rien du tout, et à cause de d'autres, je me comprends entre à cause des personnes qui peuvent le faire, qui peuvent faire, mais qui peuvent faire à la limite, c'est un exemple, être en fauteuil au lieu de faire l'effort de marcher. Ben nous, les autres rames pour travailler, pour faire l'effort de... Vous comprenez ce que je veux dire, excusez-moi. Voilà, donc ça pose problème aussi pour les personnes qui veulent s'efforcer à faire plus d'efforts. Et les autres, ben, en fait, au niveau de la société, ben, toute personne, je veux dire, je mets en globalité. Hein. Très bien. Bon, bah écoutez, le débat évidemment ne fait que commencer. Et donc, je vous remercie tout le monde d'être resté après le film pour ces débats hyper intéressants. Et puis, le film repasse le mardi 25 avril, si jamais ça vous dit de revenir. Si vous n'avez pas compris la fin, par exemple. Et puis merci encore. Voilà, je suis très content.